Capsule Accès Physio en compagnie de Marc Letourneau, physiothérapeute chez Accès Physio. Marc, on parle de la posture initiale. Elle peut être problématique si elle n'est pas convenable. Tout à fait. Deux postures à donner une attention particulière. Mm-hmm. Posture en C et posture en S. Donc la première, posture en C, on a un dos qui est trop courbé. Et la posture en S, on a un dos qui va être trop creusé, à l'inverse. Dans les deux cas, finalement, on augmente le stress mécanique sur les structures articulaires. Mm-hmm. On augmente donc l'inflammation et par conséquent, ça peut créer de la douleur. Et aussi, ça amène des limitations au niveau technique, perte de puissance, perte de rotation. Tout à fait. On parle à performance parce qu'on ne peut pas aller créer une rotation efficace du tronc. Donc, pas idéal. Oui. Des exercices pour que les gens puissent tester leur position, de trouver leur position, finalement. Tout à fait. On peut aller investiguer un petit peu sa position du bassin, donc tester un petit peu les amplitudes du bassin, voir en extrême, en antérieur, en extrême, en postérieur, et par la suite, essayer de se retrouver au centre pour retrouver la position qui est neutre, donc la position qui est idéale. Et l'étape numéro un, ce serait de prendre appui, que ce soit sur une table ou sur un mur. Tout à fait. Plus facile en prenant appui parce qu'on a une stabilité. On teste en premier comme ça. Par la suite, on transfère dans la position de golf puis on reteste le même exercice. Et c'est important de ne pas aller dans la douleur et de consulter. Exactement. Si on a de la douleur, si on a des limitations fonctionnelles, ça se peut qu'on ne soit pas capable de prendre la position. En physiothérapie, on peut vous évaluer et vous orienter. Merci, Marc. Avec plaisir.